Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, avec Théo, nous allons vous parler du casque Adrian modèle 26, qui est donc le casque français de la Seconde Guerre mondiale. Donc le but de cette vidéo, c'est de compléter la première vidéo sur le casque Adrian que nous avons fait, dont le lien s'affiche en bas de votre écran. À la fin de la Première Guerre mondiale, 20 millions de casques Adrian modèle 15 ont été produits. Pendant les 4 années de guerre, le commandement a pu constater les défauts de ce casque. Le 16 mars 1921, de nouvelles études sont lancées par l'intendance. Donc, ces études vont aboutir à 3 modifications sur le casque. Donc, la première, c'est au niveau de l'acier. On va utiliser maintenant un acier au manganèse qui est déjà utilisé par les Britanniques sur le casque MK1. Donc, il permettra une plus grande absorption des ondes de choc et une meilleure résistance aux impacts. La deuxième, c'est l'augmentation de la taille de ce nouveau casque. Ici, vous avez un modèle 26 et là, un modèle 15. Cette augmentation de taille va permettre d'avoir un espace plus important entre le crâne du soldat et l'intérieur de son casque, ce qui va donc permettre d'absorber une onde de choc plus importante ou une déformation plus importante. Et la troisième, c'est au niveau de la construction du casque. Donc le casque modèle 15 est construit en 3 parties et c'est une source de fragilité. Donc on va décider d'emboutir le nouveau casque en une seule partie. Par contre, les fabricants ne vont pas pouvoir concevoir un casque totalement novateur. En effet, il faut absolument conserver la silhouette du casque Adrian, qui est le symbole du poilu vainqueur de la barbarie germanique. Ce symbole commence progressivement à fleurir sur les monuments aux morts dans toutes les villes et villages de France. Les premiers modèles de ce nouveau casque arrivent au début de l'année 1923, mais on continue de le faire évoluer, et notamment sur le système d'aération. La fente, qui était utilisée jusque-là, va être progressivement remplacée par 8 petits trous afin d'améliorer la résistance de la ronde. Le système de fixation de la coiffe reste identique au modèle 15. La coiffe aussi reste inchangée car les stocks existants sont très importants. Donc là, on voit la coiffe d'un modèle 15 et l'un d'un modèle 26. 3 couleurs sont utilisées à cette époque. Le kaki, qui est adopté en 1921, le moutarde des troupes coloniales, ainsi que le gris bleu horizon, qui sera définitivement supprimé le 16 octobre 1935. Le 1er mai 1926 est publiée la description officielle du nouveau casque. Ces 3 années d'essai auront permis de corriger certains défauts, mais aussi de développer un système innovant de coiffe. Il se compose de lamelles support, qui sont fixées par 2 rivets, voici, là. Et la coiffe elle-même vient donc s'emboîter sur ce système-là grâce à 2 agrafes et ça va faciliter le remplacement de la coiffe. La production de ce nouveau casque ne sera pas suffisante pour équiper toute l'armée. En attendant, les Adrian modèle 15 continueront d'être progressivement repeints en kaki afin de s'accorder avec la nouvelle tenue. On estime qu'environ un quart de l'armée sera équipée du modèle 15 à l'entrée en guerre. À ce moment-là, la production sera relancée à raison de 250 000 pièces par mois. Hélas, cette production ne sera de courte durée, puisque quelques mois plus tard, tous ces casques seront abandonnés le long des routes suite à la débâcle de 1940. Cette production continuera partiellement sous le régime de Vichy pour équiper la défense passive. Entre son lancement en 1926 et l'armistice de 1945, 3,4 millions de casques seront produits par 8 sociétés différentes. On y retrouve l'initiateur du projet 1915, la maison Japy. Chacune d'entre elles appose sa raison sociale au fond de la bombe. Sur celui-ci, Japy. Et là, société marseillaise. Le nombre de casques produits semble donc dérisoire par rapport aux 20 millions de modèles 15 produits lors de la Première Guerre mondiale. Les casques Adrian livrés en 1926 n'ont pas encore de nouveaux attributs. Ceux du modèle 15 seront donc utilisés. On voit sur ce modèle 26 un attribut 1915. Entre 1918 et 1926, 3 nouveaux attributs seront adoptés, notamment celui de l'aéronautique en 1923. En 1937, un nouveau modèle d'attribut est adopté. Le motif ne change pas, mais il est désormais estampé à l'intérieur d'une plaque circulaire. Ce sera la dernière modification du modèle 26 avant de passer au modèle 1945, dit Jeanne d'Arc. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout, abonnez-vous! À bientôt! Ciao!
change de disque. Laisser la parole à Théo pour qu'il nous dise tout d'abord ce qu'il en pense et puis ensuite je répondrai à la question que tout le monde se pose, comment remédier à ceci. Ça c'est l'américain. Tiens, ça j'en ai pas besoin, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, donc les casques c'est que un décor. Encore. Ah non, c'est celui-là l'américain, donne-moi l'autre. C'est l'espion américain. Allez, t'es prêt? Tu vois pas son téléphone là? Non. Tu vois pas le... Et là, il est vert celui-là ou... Le vert, ben, ça va. Donc, allez, t'es prêt? Tu dis quand c'est prêt? Ben, c'est prêt. D'accord, donc c'est bien que ça fonde depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il filme. Attends. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais faire bonjour moi en premier. Il était nul ton bonjour à tous. La première vidéo que nous avions fait sur le casque Adrien, et je vais essayer de vous mettre dans cette zone-là un lien pour vous sortir là. Toi, tu rigoles, espèce de. Casque Adrien. Casque Adrien. C'est le casque Adrien. Ouais, c'est ton casque. Ouais. Alors. Il y a un masque à casque. Ouais, là, ça va sentir un grand petit mon gueule. Non, ça sent meilleur. on dirait le, mon bonhomme dans Call of War 2. Il y a le casque Adrien avec le masque à gaz. Allez, bon, on y va quoi? On va décider d'embrouiller. Décider. Ouais, c'est fait l'espagnol là. Décider. Et là, t'as la qui à boire là. Chien. Nous battons. En effet, il faut conserver la silhouette typique du poilu vainqueur de là, je suis un robot. D'ailleurs, ce symbole va commencer à fleurir sur tous les monuments aux morts de toutes les communes de toute la France. Oh, quand c'est chaud, pourquoi j'en chie autant là? On en a pas chié avant. Et en plus, là, du coup, après Théo, il va devoir le dire pour sa première fois, alors que toi, tu l'auras dit 20 fois. Ouais. Du coup, il va avoir ses petits foirages du début. Vas-y, toi, concentre-toi. Putain, mais là, je vais devoir trier. Je suis en train de penser à. C'est dur, hein. D'ailleurs. C'est une branche de vie, hein. Qui commence progressivement à fleurir. Placé par les 8 petits trous. Par 8 petits trous. Pour la solidité de la bombe, pour améliorer. Renforcer la solidité de la bombe. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais faire un copier-coller. Le mec envoie des fusées sur Mars. Il est sérieux, le mec. Les mecs, ils y sont à 3 pour faire un copier-coller. Le copier-coller, il a marché plus que moi. C'était ma phrase parce qu'elle était coupée à moitié. Les villes, on peut poser un peu quand même. Les villes, oh, sans S, oh, ça pique. Les villages. Regarde, mais ça. Attends, j'ai écrit ce matin vite fait là. Je vais aller chaud qu'on trouve la famille pour lui rendre le casque. Ouais. Ça prend un casque. Ouais, mais le voyage, plus. Non, mais un parcourir si le mec il habite, tu vois. On parlait moins fort! D'accord! Ouais! Ah, c'est parce qu'en fait on va faire comme Enrico. Comment parler comme ça? Ah! Non! J'ai pris une pente dans la gueule. C'est pas gentil. C'est Eloni, c'est Elolo, c'est Elola! Oh, on travaille là-haut! Wacon! Warcon a fait tout casser. C'était sûr, c'était moi. Vous pouvez pas me jeter, il y a des bouts de. Mais c'est pas nous, c'est. Allez, s'il te plaît. Mais c'est Noah. J'ai vraiment de chasse qu'il y a dans le frigo. Ah, t'as vu? Deux pâtes feuilletées. T'as quoi? Ah ouais, mais j'ai deux pâtes feuilletées. Deux pâtes feuilletées, s'il vous plaît. Ah, mais il y a le frigo. Attends, moi. C'est. En parlez-moi fort. La mousse au chocolat. Non, mais c'est pour après. Ah, pardon. Oh, il y a les mousses. Ah, vas-y, tu vas rester focus. Restez focus, on va. Ça va, allez. Ta famille, les enfants. Allez, on en est où? Il fait chaud. Eh oui. Attention, ça a 200 ans. Pas 200, mais 115, 120. Chacune d'entre eux, chacun d'entre eux. Oh, parlez-moi le fort, oh. Eh oui, putain. On entend tout en plus, là. Oh, c'est fou. Allez. Pas trop de balle dans le cul, là. Il reste des trucs comme ça. Oui. Allez, concentrez, là. On finit. On va voir l'apéro, moi.